Donc ici, c'est le mont de Bugarach où ils ont attendu la fin du monde le 31 décembre 2012. Il n'y a rien qui s'est passé. Moi, j'aimerais bien voir un ovni ou deux, mais il n'y aura rien, je pense. Bugarach. Alors, c'est ici que j'ai dormi, à côté du le pic de Bugarach. Et là, j'ai planté ma tente. Là, c'est le pic de Bugarach. Donc, décembre 2012, il y en avait 230 journalistes du monde entier. Mais je vous garantis, les Français qui étaient là, il n'y avait personne qui l'a pris au sérieux. Les gens, ils voulaient juste faire une méga party, une méga fête. Mais il y en avait des autres qui l'ont pris au sérieux. Hein, les autorités, ils sont venus avec des hélicoptères, ils ont montré leurs pistolets et tout. Ils ont interdit aux gens de faire leur fête de l'année. Hein. On est véritablement leurs esclaves et tout est interdit. Même dans la nature, là, quand on s'organise, on veut être ensemble, là, tranquillement, ils viennent pour nous empêcher la fête du siècle. Et j'avais ouvert la tente de ce côté-là, de temps en temps j'ai regardé, mais j'ai rien vu. Hein. C'est du pipeau tout ça. Alors partout ils sont venus, là, les pharaons, ils se sont installés, ils ont construit des châteaux pour nous terroriser, pour en avoir un château fort, un centre du pouvoir, quoi. Ici c'est à Bugarach où il n'y a pas d'OVNI. Bon, une obélisque, mais ça explique tout, hein. C'est ce qui reste du méga party, du fin du monde. Alors, d'abord, avec leurs médias, ils nous invitent de venir là. Quand les gens ils arrivent finalement, ils les interdisent l'accès avec leur octogone bleu armée mondiale. De faire la fête ici. Après, tout sera analysé pour savoir combien de gens ils vont croire à quoi pour mieux analyser le prochain opération sous faux drapeau. Ils jouent avec nous. Ils jouent avec nous. Donc, c'est leur média et c'est également leur armée bleue d'octogone mondialement qui nous a interdits après. Tout ça, c'est un jeu pharaonique. C'est une blague. Ils jouent avec nous. Alors, si on est vraiment un alien, un extraterrestre soi-même, et on a le pouvoir d'une planète et on veut analyser donc la population. Sur une planète, ce sera très intéressant d'analyser comment les gens y réagissent sur une invasion extraterrestre, comme cette mensonge ici à Bucarache, vous comprenez? Hein? C'est un peu comme ça. Et c'est de nouveau le même jeu avec la peur avec laquelle ils nous manipulent. Et pour nous prendre notre attention sur autre chose au lieu de choses qui sont vraiment importantes qui se passent dans le monde.